Jean-Claude. Un petit mot avant la chanson, si vous êtes d'accord, Johnny. Bonsoir. Oh non, on est content, hein. On est content et puis le public est content aussi, Johnny. Alors, surtout, on est tellement content, c'est qu'à partir de dans pas longtemps, alors j'ai parlé de votre album qui est fait, Johnny Hallyday, Destination Vegas. Et, en 98, un nouvel album que vous allez préparer cet hiver, on m'a dit. Oui, je vais faire un album cet hiver que je vais préparer, enfin un nouvel album tout simplement. Ouais, ouais. Bon, je vais en faire un, je vais en préparer un qui sera un album de duo. Ah, avec d'autres chanteurs. Avec d'autres chanteurs que je partout. Que, oui, un petit peu des Espagnols, des Italiens, des Américains. Ce sera un album un petit peu plus international. Et puis un album français pour chez nous. Mais comment vous allez faire pour faire ça en même temps qu'on m'a dit que vous montiez sur un bateau d'ici genre pas longtemps, quelques jours, et que vous partiez un an, au revoir tout le monde. Oui, mais enfin, je ne vais pas rester un an sur la mer. C'est ce que je me disais aussi. Et alors, tu vas chanter, j'ai vu dans un stade, le grand stade. Oui, alors ma rentrée en septembre 98, ce sera le stade de France. C'est juste après la Coupe du Monde. Juste après la Coupe du Monde. Juste après la Coupe du Monde. C'est la première star qui va se produire là-bas, c'est vous. Et ça va être la première fois que vous allez avoir 100 000. Ou pas. Il y aura 100 000, oui, il y aura 100 000. Si tout va bien, il y aura 100 000. Enfin, si tout va bien, il y aura 100 000. Ouais. Ouais, bah, on sera là, nous, en tous les cas. Ah ben nous, on sera là. On sera au moins deux, déjà. Ça, oui. Il y aura Jean-Claude et moi, écoute, déjà. Tu feras duo avec moi. Là. Voilà, impec. Pas de problème. Mesdames, messieurs, Johnny Hallyday, immédiatement, la ville des âmes en peine. Tout de suite. À oublier.
que je t'aime. Alors personnellement, je tiens évidemment à remercier Johnny qui, un, chantait cette chanson pour la première fois à la télé, et deux, est venu nous parrainer en quelque sorte et nous dire bonsoir pour cette première, cher Jean-Claude.